Hey tout le monde, c'est Crypax. Petite vidéo pour l'ouverture des boîtes de Noël. Donc là, je suis actuellement en live. Salut Team Toa Hard SW. Il y a Aleskib qui vous dit bonjour sur YouTube. Du coup, je vais ouvrir les boîtes là. Je vais peut-être en ouvrir plus. Mais ça, du coup, je verrai. Ok. Ah bah, tout ça est échangeable. Dingue. Ok. Bon bah, c'est parti. Alors, je vais quand même mettre l'ouverture automatique si on n'est pas non plus. Waouh, wow, il a pas du tout du mal. Oh, je vais avoir tellement de. Comment ça s'appelle? Ah. De cœur cristallin et de d'écus de dragon. Par contre, les effigies, ça tombe. Hein. Ah, ça donne aussi des. Des effigies. Putain, merde. Des métamatières et des trucs pour reroll les stats sur les gemmes, là, des merde, des ténèbres. Ouais, ça donne tout ce qui est intéressant, ouais. J'hésite en vrai à claquer mes trucs, hein, du jardinage. Parce que je pense pas le relancer, cette prod. Vu comment le prix l'a descendu, le glim, c'est devenu vachement moins intéressant. Sinon, j'avais calculé, en dessous de 6 unités, c'est pas intéressant de faire cette prod, autant farmer directement les donjons. Salut Darkos! Le jeu, il est pas du tout en PLS, franchement, c'est ok. Pourquoi je trouve que des bottes là? Quoi le délire? Quoi délire? Oh putain, les coffres du chaos, j'en ai 600. J'en avais plus. Putain, en 250 boîtes, j'ai déjà eu 8 effigies, moi. 8. Mon chat. 9. J'en ai eu 3. Là, je suis à 9 là. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, moi. Toi, t'as niqué ta pitié, toi. J'aimerais bien savoir dans quoi. Bah, justement, juste en jouant, en fait. Le jeu, il s'est dit, c'est bon, il est réactif, donc ça sert à rien de lui donner de la chance. Il rejoue. Alors que moi, tu vois, ça fait tellement longtemps, ils se disent, allez, donnez-lui des trucs, comme ça, il reste, ce connard. Parce que là, je suis à 11, là. Hein. Ah, ça fait un moment que j'en ai plus en dehors du. Il y a des trucs que je sais même pas ce que je reçois parce que ça bug tellement que ça skip complètement des moments de l'ouverture. Putain, je suis à 14, 15. Starf. Je sais pas si je vais tout avoir dans de l'event, mais. Je sais pas combien il y a de nouveaux trucs, mais c'est. Bah, je pense que j'en aurai 17. En tous les cas, au minimum 17. Voilà, pour avoir tout ouvert. Ouais, voilà, 17, il me reste encore 30. On prend pas de karma, mais. Ah, 18. J'en ai eu un karma. Ok. Bah, 18, 123 gemmes investies, 333 boosters de gemmes, Starve. Attendez, c'est peut-être pas fini, hein. Vous sur YouTube, va peut-être y avoir un cut. Mais sur les gens du live, c'est peut-être pas fini. Parce que je vais vous montrer un truc. Et vous allez comprendre ce qui peut se passer. Vous, YouTube, vous aurez pas la ref, mais c'est pas grave, vous avez qu'à être là. YouTube, c'est tellement saut 2012. Venez sur Twitch. Allez, donne-moi des. Oh, par contre, ça, c'est un peu de la merde, ça. Une étincelle en karma des boosters de gemmes, là, c'est pas. Je veux dire, c'est ce que t'as en booster de normal, quoi. T'ouvres des boîtes de gemmes et tu as une étincelle dans la karma aussi, enfin, potentiellement. Donc, donner ça dans le booster de gemmes, c'est un peu de la merde. Je pense qu'ils auraient dû mettre un 9ème vie ou des clés dans la karma de ce truc-là. Putain, ça a pas du tout du mal à ouvrir, quoi. Je spam le X, hein, là, si jamais. Je vais avoir pas mal de clés, je pense. Hein. Bon, je vais mettre en mode ouverture automatique parce que là, ça me cave. Ça ne change absolument rien. Ok, je sais pas ce que j'ai eu. Mais du coup, je pense à ça, mais les effigies, au bout d'un moment, je suppose que ça sert plus à rien. Qu'est-ce que ça fait quand t'as tout. Ah!
Ah, c'est déceptif. Ah, je suis pris une clim. Bah, j'ai 18 épuisés, tu vois, trop, trop bien et tout. Je clique dessus, vous avez déjà collecté tous les objets. Donc, bon. Échangeable ou pas? Non, je crois pas que ce soit échangeable. Bah, c'est peut-être recyclable. Je pense. Ah, vas-y, c'est le deuxième que je reçois de cet œuf-là. J'en ai déjà eu un hier. Ou avant-hier. Ah, par contre, les prismes de lumière, ça s'agirait d'arrêter, quoi. Ah, au moment où je dis ça, j'entends pas. Putain, merde. Ah, vas-y, frère. À la limite, donne-moi un œuf, quoi. Parce que les prismes, vraiment, je peux rien en faire, donc. Ah, bah si, maintenant, on peut les recycler. C'est vrai. Du coup. Non, c'est non échangeable. Donc bon, bah, je suppose que je dois le recycler. Par là. Waouh, ça me donne 18 boîtes dorées. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Oh, ça te donne des... Ah, ça donne des costumes et des apparences échangeables. Je crois. Oh, je vais être riche. Inch'Allah. Je suis déception. Bah, moi, je suis pas si déception parce que si tout est échangeable. Si c'est pas échangeable, c'est de la D parce que du coup, ça a aucun intérêt. Mais si c'est échangeable. C'est dinguerie. Je suis un peu curieux de savoir le prix du coup. Là, je vais être très déçu là. Je m'attends à la déception. J'espère que vous êtes prêts aussi. Alors. The price. Alors le pôle, il coûte 250 000. J'en ai 9. Le costume, il coûte presque 1 million. J'en ai 3. La monture, elle coûte 390 000. J'en ai 4. Le bateau, 620 000. J'en ai 2. L'allié, 24 000. J'en ai 7. L'autre allié, 40 000. Et encore l'autre allié, 4 000. Ah, lui un peu moins. En vrai, ça va. Là, je me suis fait genre 5 millions. It's ok. Bon, du coup, je coupe YouTube là. Et on se revoit peut-être. Après un cut pour vous et peut-être pas si au final je le fais pas. Bisous bisous. Bisous d'être passé. Heureux YouTube. Donc oui, j'ai refait 750 boîtes. Je pourrais en refaire plus, mais je pense que je vais vendre les ressources. Ça va me donner à peu près 11 millions si je vends le reste des ressources que je pourrais crafter. Donc je pourrais encore en crafter pas mal. J'ai encore 500 000, j'ai encore 720 000 de ça. Mais si je les vends, ça me fait à peu près 11 millions de flux et je pense que je vais plutôt les vendre. Même si c'est pas énorme 11 millions, mais bon. En fait, ce que j'ai là-dedans, j'ai déjà en grosse quantité donc. L'arbre de talent. Attends, je te montre ça juste après l'ouverture si ça te dérange pas, Tim. Alors, donne-moi des effigies, par contre, ça m'arrange. Hein. Au plus il me donne des effigies, au mieux c'est. Bon, je pense que j'ai eu une effigie. Je crois que dans la karma, en fait, tu peux avoir qu'une effigie, en fait, t'as rien d'autre. Donc dès que t'as le ton, c'est automatiquement une effigie. Re. Alors, tout à l'heure, j'en ai eu 19 d'effigies. Le minimum c'est 10 de toute façon, une figie. Parce que j'avais 750 boîtes. Avec 700 ça fait 10 karma. Et à la karma t'es garanti d'avoir une effigie. Donc j'aurai au moins 10 effigies. Donc c'est à dire que tout à l'heure j'ai eu presque autant d'effigies hors karma que dans les karma. Re.
Ça c'est pas mal ça. Double effigie comme ça là, hors karma, un bonheur. Oh, j'aurais pile pour une autre karma en plus, c'est bien ça. Ouah, j'ai presque 2000 coffres du chaos. En sachant que j'en ai déjà ouvert 1000. Hein. Ok. Moment de suspense. J'en ai eu 20. J'en ai eu une de plus encore. On va ouvrir ces merdes. Comme ça, j'avais 44 clés en or. J'en ai eu moins ça par contre. J'en avais 333 et là j'en ai moins. Ah ça, 9ème vie, ça je veux ça. Ça je veux ça. Ça moins ça par contre. Ça m'intéresse pas beaucoup ça. 9ème vie, franchement cool. Pas ce que j'ai eu. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai reçu aussi dans le... Dans les ouvertures? C'est vrai que je suis toujours en train de faire la vidéo là. Bon, il y aura des cuts, hein, clairement. Alors... Où est-ce que c'est que j'ai reçu des trucs? Je sais même pas ce qu'on reçoit en fait dedans. Je sais qu'il y a les cœurs cristallins, les écus, les clés techniquement. Cœur cristallin, je suis à 8000, presque 8400. J'étais à 6700, je crois. Donc je me suis fait à peu près 1000 cœurs. Donc c'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et après pour le reste, éclat d'ombre. J'en avais autant des éclats d'ombre. C'est vrai que des éclats d'ombre, j'en avais blindé, je crois. À cause du farm de cristal de... Bah, des SS farm, quoi. Donc ça, je pense que ça devait être déjà comme ça. 4400... Je crois que j'étais à 3000, donc je me suis fait 1500 écus de dragon. Bon, bah, c'est bien, mais moi, ça me sert pas à grand-chose. Ça, j'ai dû m'en faire 50, à peu près. Et au niveau des brillants, je suis à 473, j'ai dû m'en faire... Je sais plus à combien j'étais. Je crois que j'étais à 400 à peu près, donc j'ai dû m'en faire un peu plus de 50. Je me suis fait un 9ème vie, des clés j'étais à 44, donc je m'en suis fait 14. Ça je sais pas combien j'étais, mais là je suis à 300 maintenant. Donc c'est pas mal, c'est des bonnes boîtes hein, évidemment de toute façon. Des ténèbres enlacées, ça j'en ai blindé, mais ça de toute façon c'est easy à avoir. Donc ben voilà, ben, du coup merci d'avoir regardé la vidéo. Là pour le coup elle s'arrête, parce que j'en ferai pas d'autres ouvertures. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bye tout le monde, c'était Crypax.